Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme celle que je vais vous faire aujourd'hui. Alors, du scrap, oui. alors désolée, là je suis tout... la caméra est mise un peu en haut. Mais c'est parce qu'après je vais rechanger la caméra et je ne voulais pas faire trop de manipulations. Voilà, mais bon, vous me voyez bien, je pense, donc ça va. Oui, aujourd'hui, je vais scraper. Voilà, j'avais reçu par ma belle-fille et mon fils, le jour de la fête des grands-mères, ils m'avaient donné les photos de mes petits-enfants, voilà, de l'école. Et ben, depuis, j'avais dit, il fallait que je les scrape, et je n'avais pas encore fait, bon, ça fait pas longtemps, hein. Et donc aujourd'hui, j'ai dit je vais m'y mettre. Voilà. Malgré que je suis pas en grande forme aujourd'hui. Ça fait 2 jours que j'ai le dos qui fait aïe, aïe, aïe. J'ai d'ailleurs mis un patch chauffant là, qui brûle même. Ça marche bien ça. Enfin, je sais pas si ça a bien marché pour les douleurs, mais en tout cas, ça chauffe. Donc voilà. Alors, je ferai deux vidéos, enfin trois. Puisqu'il y aura deux photos individuelles et il y aura trois petites photos où je mettrai sur une seule page. Voilà. Donc, sur mes deux petits, enfin mes petits deviennent grands, hein, voilà, celle-ci, en noir et blanc, donc Delizia, ma plus petite, Mathis, c'est le milieu de la famille, voilà. Et il y aura ma grande qui est au collège. Et elle, donc, c'est une photo plus petite. Et j'ai eu donc deux photos supplémentaires de mes petits à la même taille que ma grande. Donc là, je referai une page avec les trois dessus. Donc cette page-là, je la ferai en dernier. Aujourd'hui, je vais faire la page de Delizia. Voilà, ma petite princesse. Alors, comme le scrap, c'est toujours un petit peu long et je pense que vous commencez à en avoir marre d'avoir des longues vidéos de moi en ce moment, avec le coloriage, avec le DP. J'ai donc commencé à découper tous mes papiers à la taille voulue. Comme ça, au moins, on va perdre moins de temps. Voilà. Donc, ça va être surtout de l'assemblage. Donc j'ai tout découpé, j'ai pris, alors en papier, j'ai pris une feuille cartonnée noire de ce bloc là, et je crois que je n'ai pas préparé, j'ai pris du cardstock, alors là elle est déjà découpée, mais les cardstock comme ça, les petites pages comme ça, les petites feuilles comme ça, donc en rouge. Là, alors celle-là est découpée, mais le fond va être comme ceci. Voilà. Là, elle est déjà découpée, mais c'est une grande feuille 30-30 comme ça. Alors, ces deux feuilles viennent de ce bloc. Voilà. Donc, je ne sais plus de quand il date celui-là. Bon, je crois que c'est l'année dernière, mais bon. De toute façon, c'est l'année dernière, c'est sûr, puisque cette année, je n'ai pas acheté de bloc. Voilà. Et j'ai pris. Dans mes chutes, alors ça, je ne sais plus de quel bloc ça vient, mais je crois que c'est d'un les blocs 15-30, je crois, je ne saurais plus vous dire. Je ne sais plus, mais bon, j'ai pris, donc ça, c'est dans mes chutes. J'ai pris de côté, alors je ne sais pas, ça par contre, je ne l'ai pas découpé, mais je verrai. Ça, c'est pareil, c'est d'un vieux bloc, c'est une chute. Je vais voir si je vais le mettre. Donc, de l'autre côté, c'est les petits pois verts, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les partitions.
Ensuite, en papier, ben, pour l'instant, je crois que c'est bon. Et j'ai pris les lettres stickers comme ceci. Voilà. Bon, ce qui m'embête, c'est que ce n'est pas les dorés. Mais je crois que j'ai des dorés là-haut. Donc, je vais voir si je ne peux pas plutôt mettre les dorés. Je verrai. Bon, vous savez, de toute façon, moi, je change des fois en cours de route. Et je vais peut-être reprendre des décos en bois si j'en ai encore. Et j'ai mis de côté aussi du papier doré si j'ai besoin. Voilà. Alors, pour, j'ai déjà quand même préparé les papiers pour Matisse. Alors, pour Matisse, j'ai choisi donc la feuille cardstock comme ça. Ah ben oui, il manque une feuille. Ah non, non, il ne manque pas de feuille pour Lina, pour Lévia. Non, non. Une feuille comme ça qui vient d'un bloc 15-30. Une chute de papier. Voilà. Ça, je ne sais plus de quel bloc ça vient. Un bout de feuille noire du bloc que je viens de vous montrer bien la toile comme ceci. Ah bah oui, non, c'est ça. Oui, 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 je me suis trompée. Alors, non, ça c'est pour celui-là, c'est pour Délicia. Je disais, il manque un papier à elle. Donc pour Mathis, c'est celui-là. Donc ça, c'est ces deux-là viennent d'un bloc 15-30. Voilà, la feuille 30-30 et le fond comme ceci. Donc, ils viennent également du même bloc que je vous ai montré auparavant. Et pour lui, alors, ça peut changer hein, d'ici là, on verra. J'ai choisi les lettres alphabétiques comme ça. Alors là, elles sont violettes. On verra si je reste sur ce modèle-là. Là, puisque je ne vais pas le faire aujourd'hui, pour Matisse, je peux encore changer d'avis. Donc, Matisse, je vais tout remettre en place. Donc, j'ai déjà découpé les photos, puisqu'il y avait les bords qui ne m'intéressaient pas. Voilà, donc ça, c'est Matisse. On le fera une autre fois dans la semaine. Donc là, je vais vous installer pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais faire. Pendant que je remets bien la caméra, je vais en même temps sortir mes décos en bois. Je vais voir si j'en ai encore, enfin des celles qui peuvent être intégrées sur ma page. Si j'en ai plus, bon, bah, je verrai, je ferai des avec des dies. À l'arrache, hein, comme d'habitude. Vous avez l'habitude avec moi de toute façon. Hein, je prépare jamais vraiment mon travail. Je fais toujours à l'instinct. Allez, je vous change de vue et on se retrouve tout de suite. Alors, nous voici préparés. Bon, j'ai préparé mon double face 3D si j'ai besoin, le double face normal, mes petits stylos à colle, donc ça, celui avec la pointe carrée, la pointe. Ma colle scotch, mes petits ciseaux, mon plateau de découpe, mes grands ciseaux, j'ai un crayon. Bon, je pense que je dois avoir tout ce qu'il me faut. Alors, j'ai regardé mes découpes en bois. Je n'ai, pour ainsi dire, plus grand-chose qui puisse m'intéresser. Un piqueur, peut-être. Voilà, un arbre. Bon, voilà, il va falloir que je refais le plein en déco en bois. Là, j'ai vraiment plus grand chose, même dans les phrases cultiver le bonheur, fait avec amour. Bon, petit coin de paradis. J'avais des petites, Bon, je regarderai après. Je crois que c'est mis dans les tiroirs. Bon, on verra ça après. On va d'abord faire ici. Donc, ma petite Délicia. Ma petite princesse, donc on va la mettre sur le côté, ma petite princesse. Donc celui-là, ben du coup, je ne vais pas découper, je vais voir. Alors, d'abord, comme je vais encadrer mes deux travails, là, mes deux pages de scrap, voilà. Je cherche toujours mes mots, hein, ça n'a pas changé.
Les pages font 30,5 sur 30,5. Ça ne rentre pas dans les cadres d'action. Alors, attendez, je vais vous montrer dans quel cadre je vais mettre. Hop, 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 viens ici, toi. Voilà, donc ça, c'était les cadres, les pages que j'avais faites l'année dernière. Voilà. Donc, toujours ma petite Delizia. Donc, c'est ces cadres-là, avec le miroir sur les côtés. Donc là, je vais enlever la page, elle va aller dans le classeur. Et je vais remettre celle de cette année. Ça, c'était 2020, vous voyez. Dans ces cadres-là, à 5 mm près de chaque côté, ça ne rentre pas. Donc, je découpe ma page, donc mon fond. Déjà, j'ai déjà découpé mon fond, en espérant que j'ai bien découpé partout, avant de commencer mon travail. Voilà. Parce que sinon, si par exemple je mets un décor en bois, par exemple, ou autre chose, et puis qu'il faut découper, je vais me retrouver dans le caca, voilà, pour découper. Donc, je découpe déjà mon fond à la bonne taille pour le cadre. Parce que sinon, après, je suis embêtée. Donc, pensez, si vous faites une page de scrap et que vous allez le mettre dans un cadre action, ou même dans un autre, hein, pensez d'abord, avant de faire votre travail, vous prenez cette page-là, vide, que vous n'avez pas encore fait, et essayez-la dans le cadre, avant de le faire. Et si vous voyez que ça ne rentre pas, bah, mesurez ce qu'il faut enlever, et donc retirez le papier qui est en trop, et après vous travaillez. Parce que sinon, vous allez avoir des surprises. Voilà. Je sais parce que j'avais eu la surprise... il y a 2 ans, quand j'avais fait mon chien, celui qu'on a perdu, Tango. J'avais fait la page, tout, et je mets dans le cadre, je fais « Oups, ça rentre pas !» Donc j'ai dû redécouper sur les côtés, et voilà. Donc maintenant, je fais attention, je découpe avant, demain, et comme ça, après, quand je mets dans le cadre, ça rentre tout seul. Voilà. Bon, c'est une petite astuce à savoir. Donc, on va d'abord s'occuper de coller la photo, puisque j'ai coupé, non, ça j'ai pas besoin tout de suite, donc c'est sur ces deux papiers, voilà, donc ma photo est coupée, alors je vais peut-être vous mettre du blanc en dessous pour que vous voyez mieux, voilà, parce que noir sur noir, il fait noir. Vous ne verrez rien. Voilà. Donc, je ne vous donne pas les mesures, hein, puisque votre photo n'aura pas peut-être pas la même mesure que la mienne. Donc, par contre, je laisse environ 2-3 mm de chaque côté de la photo. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour vous aider. Alors, le bout, il est là. On va mettre le double face. Alors, j'avais sorti les petits ciseaux. Oui. Donc, voilà. Et comme ça, bah, là, cette année, il y aura à mon mur la photo de cette année. Et l'année prochaine, on rechangera. Voilà. Et on remettra dans le classeur à scrap, les photos. Cette photo-là ira dans le classeur et on recommencera tous les ans comme ça. C'est bien, ça permet au moins de changer la photo des petits tous les ans sur le mur et de les voir grandir. Bon, moi, je les vois tout le temps, hein, ils sont à 20-30 mètres de chez moi. Hein, donc. J'ai des photos d'eux un peu partout dans la maison. Voilà, on va remettre un petit bout au milieu, comme ça je suis sûre que ça colle bien. De toute façon, dans le cadre, ça ne bouge pas, et dans le classeur, l'année prochaine, ça ne bougera pas non plus. J'ai oublié ma
Ah, je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Voilà, j'ai pas préparé mon truc. Bon, ça y est, je vais prendre mon aiguille. Ah ouais, je sais pas où j'ai mis mon scalpel. Je ne sais pas où il est. Ah, bah, si, il est là. Voilà. Et j'avais pas préparé tous mes outils. Par contre, je ne sais pas si c'est le patch que j'ai dans le dos qui me donne mal à la tête, mais alors j'ai un mal de crâne. Ah. Bon, tu veux t'en aller, toi? Allez, voilà. Ah, je sais plus qui c'est dans les commentaires sous une vidéo qui me... Non. Ah non, c'est pas sur YouTube. C'est sur mon Instagram qui me disait « Oh, tu fais plus de scrap. » Eh ben si, je fais toujours du scrap, mais moins. Donc, la personne sera contente de voir que je refais un scrap. Allez, ça commence. Ah, mais... pardon, j'ai dit un gros mot. Ah, purée, c'est pas vrai. Bon. Alors, ma feuille, hop. Poubelle. Bon, il colle bien le truc. Hein. Oh zut. Mince. Je vais recouper une feuille. Ça m'énerve. Attendez, j'ai fait des bêtises, voyez. Tour caméra, ce que ça donne. Oui, j'aime bien. Bon, faut que je sois bien droite, hein. Moi, j'aime bien. Mais du coup, il faudrait que plutôt que je descende ça... Bon, allez, on va coller la photo déjà. Alors, mon rouleau, il est là. Donc, on va bien faire au mieux. Non, pas de traviole, non. Des fois, j'aime bien mettre les photos de traviole. Mais là, non, je vais me la mettre bien droite. Au moins, quand vous mettez les photos de travers, bon, ben, vous ne cassez pas trop la tête. À l'envers quand même. Alors, mieux. Est-ce que je suis bien au milieu? Oui, ça a l'air.
Voilà. Bon, photo, c'est fait. Maintenant, je termine mon fond. Alors, lui. Ah, je crois qu'il va falloir que je reprenne du double face. On va économiser le double face. Comme j'ai dit, ce sera dans un cadre, donc ça ne bougera pas. Je suis bien à l'endroit, oui. Voilà, et le deuxième. Bon, en fin de compte, j'ai pas mis la partition. Je trouvais pas où la mettre. Ça ira pour une autre page, la partition. Voilà. Donc, on va faire pareil. On colle tout là. Bon, ça y est, ça tombera pas plus bas. Allez, on colle la photo. Thank you.
Alors. Je vais mettre à 2,5 de chaque côté. Voilà. Alors, maintenant, où je mets son prénom. J'aime bien mettre les prénoms. Alors, j'ai coupé quelques petites choses avec ma Big Shot et j'ai coupé des chiffres. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Voilà. Alors, par contre, il ne se coupe pas à fond parce que c'est de l'adhésif pour marquer 2021. Alors, on va voir si ça fonctionne. Alors, j'ai déjà les deux. Alors, je les ai fait en blanc. J'espère que ça va tenir. Ah oui, mais j'ai pas de zéro avec cette tablette. Oh oui, voilà, c'est cette tablette là, mais il n'y a pas de zéro. Je sais pas pourquoi j'ai pas de zéro. Mince, zut. Ah, j'ai fait ça pour rien. Bon, je vais les garder pour autre chose. En plus, j'ai dû faire en deux fois. Bon, tant pis. Je vais les garder. Ça me servira quand même pour autre chose. On va faire autrement. Alors, j'ai coupé les petits ronds avec les. Vous voyez, ça faisait ça. Alors, les petits ronds. Je vais les mettre. Juste pour décorer. Je vais les couper en deux. On va les couper en deux. J'ai retrouvé des petits trucs en bois aussi. Donc on va regarder s'il y a des petites phrases intéressantes. Bon, maintenant ça y est, c'est officiel, ça commence à être le bordel. J'en mets un là. Voilà.
aussi. Ici, c'est déjà bien. Ah, ma colle. La colle est collée. Là où c'est bien. Ah, zut. Ah, donc le dernier. Non. 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 Bon, le dernier, je ne sais pas. On verra. Ça, je verrai après. Donc, j'avais trouvé des petits trucs en bois. Une journée sur le soleil, non. Partager de merveilleux moments. Moment magique. Mais est-ce que c'est parce que j'avais déjà mis l'autre jour? Non. Le Père Noël. Alors, je sais plus où je les avais eu ça. Je les avais achetés à un salon, mais la boutique, je ne sais plus. Donc, je crois que je vais mettre moment magique. Ouais. Allez, on met moment magique. Et on va le mettre ici. Voilà. Et maintenant, les lettres. Alors, Delizia. Il faut d'abord que je regarde. On va prendre n'importe quelle lettre. C'est pas top. Hein. Ce n'est pas top, top. Mon carton d'alphabet. Alors ici, j'ai un carton d'alphabet. Là, c'est argenté, là, c'est bronze. Ah, du rose. Du rose fluo, non.
Là, si j'ai toutes les lettres, ça irait. Ah oui, si j'ai toutes les lettres, ça irait bien ça. Hop. Allez, on va regarder. Alors, j'ai déjà un D. Donnez-moi un D. Donnez-moi un E. Donnez-moi un L. Donnez-moi E. Reste où tu es, toi, la règle. Oh, pas possible, ça. Donnez-moi L. Je m'énerve. M'énerve la règle. Je vais taper. J'appuie pas encore sur les lettres. Alors, donnez-moi I. Oui. Ah, oh, elles sont pas droites. Bon, je vais bien les remettre après. Un Z. Un I. J'avais vu un deuxième I. Et un A. Voilà. Delizia. Bon, maintenant, on va bien les mettre. Parce que là, c'est mal mis. Ou alors, je les mets carrément de traviole. C'est ce qui est le mieux. J'aime bien mettre de traviole. Au moins, je ne cherche pas à comprendre. J'aime bien mettre les lettres de traviole. J'aime bien mes moutons. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette chanson dans la tête. Tant c'est vieux, hein. Voilà. Ben voilà. Quand on ne veut pas s'embêter à les mettre droite, eh bien, on les met de traviole. Voilà, maintenant il faut que je trouve. Ah ben j'ai. Alors, ah non, j'ai pas tous les chiffres. Mais, pardon, un gros mot. Zut. Zut, zut, zut. Alors, les chiffres. Il faut que je fasse autre chose pour les alphabets. Le problème, c'est que j'ai souvent déjà utilisé, ah ben là, peut-être en noir, j'ai déjà utilisé presque tous les deux. Et... Bon, de toute façon, la date, même si c'est plus discret, c'est pas grave. Regardez, j'ai les lettres qui viennent se coller sur moi. Là, c'est bon, je les ai. Alors, on va les mettre où? Là. 2. 2, 0.
Encore un 2. Et un 1. Voilà. Mon moment magique, il peut se barrer. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Donc voilà. Vous voyez, 2021. Alors, ce qui fait que là, je peux... Il manque un truc là. Qu'est-ce que je peux bien mettre là? Non, ça c'est trop brillant. Oh, j'ai le dos qui brûle maintenant. Alors, un rond. Désolée, je vous fais bouger. Voilà. Voilà. Et du coup, je vais faire un petit rappel avec le rond, la taille au-dessus. Aïe. Avec un petit décor. Alors, est-ce que dans cette chute ça va? Oui, c'est bien. Il faut utiliser les chutes. Chute. Bordel sur mon bureau, rien pour faire une page. Voilà, et maintenant je voudrais faire un rappel. Non, si je fais un rappel de noir, non, je pense pas que le blanc. Si un rappel de noir, Alors, oh. Est-ce que celui-là, il va aller? Non, bien sûr, ça sera trop.
micro. On va faire un rappel de noir. Mon dos commence à me faire souffrir. Heureusement que c'est bientôt terminé et que je ne fais pas de page. On viendra le ranger demain. Voilà. Petit rappel de noir comme ceci. Ah ben, vous voyez, je suis arrivée au bout du scotch. Mais je crois que j'en ai encore un petit entamé juste pour. Ah ben ça, je vais le coller avec de la colle. Ben voilà, j'ai fini mon scotch. Allez, poubelle après. J'ai fini mon scotch tout juste. Ça, ça veut dire, Edith, il y en a assez sur la page. Voilà, ça je vais le mettre ici. Donc j'ai dit que j'en avais encore un entamé. Aïe aïe aïe. Ouf. Et voilà. Ah. Il y a Chouchou qui se bagarre avec les toutous. C'est l'heure de la gamelle. Quelle heure est ? Ah bah oui, c'est l'heure de la gamelle. Il est 11h30. Ah, c'est incroyable. Hein. À 11h30 du matin, il y a 5h30 l'après-midi. Je crois qu'ils ont une horloge dans le ventre, mais ils ne sont jamais en retard. À 7h... 11h30 et 17h30, direction Chouchou, mon mari. Papa, c'est l'heure de la gamelle. Ah ouais, mais ils ont une horloge dans le ventre, ces chiens. Je vais plutôt le mettre là. Ils ne se trompent jamais, hein. Ben, à la minute près, hein. C'est incroyable. Voilà. Oups, bouge pas. Voilà. Voilà. Pourquoi tu te décolles, toi? Ah, j'ai peut-être pas mis assez de colle au bord. Mais c'est rien. Ça ne se verra pas. Voilà. Alors je rajoute un tout petit truc. Je peux avoir un love. Un petit love. Love, love, love. Oui, j'ai un petit love. Là. Oh, c'est pas vrai, ce tube de colle. Aller avec mes doigts parce que sinon ça va déborder. Voilà. Et voilà la petite touche finale.
Et ben voilà, bon bah du coup ça j'ai pas mis, non. Ça serait trop. Ah peut-être là, tiens. Non. Non, non, ce serait trop. Et bien voilà, ma page pour ma petite Délisia terminée. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, bah, allez-y aussi. Dites-moi si mon choix de papier bah, vous plaît, si vous auriez fait autrement. Voilà. Donc là, je vais la mettre en cadre. Je vais vous faire les photos sans cadre et je vais vous faire les photos avec cadre. Comme ça, vous verrez la différence. Et puis voilà. Et bon, la prochaine vidéo en scrap, ce sera celle de Matisse. Et la prochaine, ce sera avec les trois en même temps. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Qu'elle n'a pas été trop longue. Là, je ne sais pas combien de temps elle est puisque je n'ai pas encore fait le montage, puisque je suis sur la vidéo où je suis en train de vous parler. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.